Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Bistrot Vélo. On va être dans un instant en compagnie d'une coureuse qui a fait une excellente saison. On va la retrouver dans quelques instants. Regardez tout d'abord le menu du soir, évidemment, dans le Bistrot Vélo, avec en entrée une belle de Bretagne. Ça, c'est pour l'entrée en bouche, la mise en bouche. Derrière, plat de résistance, l'osso buco. C'est un plat typique italien. Parce qu'on parlera évidemment de ce week-end italien avec le Tour de Lombardie notamment, et puis les championnats du monde de gravel, forcément. Et puis en dessert, une dame blanche, ça c'est pour la petite régalade, évidemment. Et ce joli menu, eh bien on va le déguster dans quelques instants avec Cédrine Kerbaol, qu'on retrouve tout de suite. Salut Cédrine, comment ça va? Salut, ça va super, merci, toi aussi. Ouais, nickel, on va se régaler dans ce nouveau numéro du Bistrot Vélo. C'est le dernier d'ailleurs, hein, le dernier de la saison 2023. On s'est régalé évidemment tout au long de cette saison. Et puis donc c'est la dernière, puisque la saison va bientôt se terminer. Et donc on a le plaisir de recevoir Cédrine pour cette dernière. D'ailleurs Cédrine, où est-ce que tu es? On sait que tu es bretonne d'origine, est-ce que tu es en Bretagne? Est-ce que tu es autre part? Alors du coup, il y a 7 jours, j'étais dans les Pyrénées et là, je suis du côté de Péniche, au Portugal. Au Portugal. Bon, et le temps est comment? Est pas mal? Aussi beau qu'en France en ce moment? Je dirais que c'est plutôt correct, entre 35 et 40 degrés, donc ça va. C'est bien pour rouler aussi au Portugal, les routes sont pas mal? Oui, c'est plutôt pas mal, il y a du plat, du vallonné. Donc, il y a de tout. Le CV, on le regarde tout de suite, le CV de Cédrine Kerbaol, née le 15 mai 2001, 22 ans du côté de Brest. La carrière, elle a commencé au sein de la formation Brest Ladies avec un passage au sein de la formation Cofidis, c'était en 2021, et puis le passage au sein de la formation Ceratizit WNT, cette saison donc. Au sein de cette formation allemande, le palmarès, championne d'Europe du contre-la-montre en relais mixte cette année, championne de France du contre-la-montre, vice-championne du monde du contre-la-montre en relais mixte avec l'équipe de France, là aussi c'était cette année, et d'autres belles choses à mettre au palmarès avec notamment le titre de meilleur jeune sur le Tour de France. On en parle dans un instant, évidemment. Et on part tout de suite sur cette saison bien remplie pour toi, Cédrine Kerbaol, sur cette saison 2023. Bien remplie en termes de courses, de calendrier, mais aussi en termes de succès. Ça a dû te faire plaisir d'avoir cette forme et d'avoir tous ces résultats cette saison 2023. C'est vrai que c'était vraiment motivant de pouvoir enchaîner de cette manière les courses, tout en étant plus ou moins toujours en forme. Et voilà, c'était la première saison où je dépassais les 30 jours de course. Donc là, je suis à, je crois, 60 jours de course. Donc c'était aussi une première pour moi de faire une saison complète. Ouais, beaucoup de changements. Et non, ça fait plaisir, c'est sûr. Avec beaucoup de résultats, hein, forcément, en 2023. Ça a commencé du côté du Tour de Normandie avec une victoire d'étape. Et puis la victoire au classement général. Derrière, il y a eu des belles places sur des belles classiques World Tour. 16e place du côté de Liège-Bastogne-Liège. 23e de l'Amstel. 19e de Bruges-de-Panne. Avant l'été, déjà, tu étais satisfaite de ton début de saison? Ben, c'est vrai que, en fait, je me, on va dire, surprenais un petit peu petit à petit. Je ne m'attendais pas à pouvoir faire ces résultats dès avril. Donc, c'est vrai que voilà, j'apprenais à me connaître au final, au fur et à mesure. On va dire que l'appétit vient en mangeant et voilà, mes objectifs grandissaient à mesure que la saison avançait aussi. On attend vos questions. Évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Cédrine. On se fera le relais pour lui poser vos questions. Après ce début de saison bien réussi donc au sein de cette formation Ceratizit, de beaux succès. Et ça commence avec le championnat de France du côté de Cassel. Victoire sur le contre-la-montre individuel et tu deviens donc championne de France. L'une de tes plus belles victoires de ta carrière, peut-être la plus belle?
pense que oui, on peut dire que c'est la plus belle. C'est vrai qu'un titre chez les élites, c'est toujours quelque chose d'assez magique. Et là, voilà, c'était l'objectif avant même de commencer la saison, c'était les championnats de France de contre-la-montre. Donc voilà, cocher un objectif, c'est toujours satisfaisant aussi. Ah, tu t'imposes devant Audrey Cordon-Rago et Coralie Demey. On voit justement le podium. Il fait quelque chose, forcément, ce maillot tricolore. La Marseillaise qui retentit. Raconte-nous un petit peu l'émotion que tu as pu ressentir sur le podium de Cassel. Ben, c'est vrai que j'avais eu l'opportunité la chance de monter sur le podium quand j'étais chez les juniors ou encore chez les espoirs. Mais là, c'était quelque chose de tout autre. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait ma famille qui était là aussi. Et donc, ouais, c'est beaucoup d'émotions d'un coup et on s'en rappelle. Tu étais dans une grande forme ce jour-là, sur ce circuit difficile hein, aussi à Cassel. 40,4 de moyenne, il me semble, pour toi ce jour-là. C'était du très grand Cédrine Carbajol ce jour-là. Je pense que ouais, j'étais bien en forme, je l'avais préparé, la position était bien aussi. Ouais, je pense que les planètes étaient alignées et que voilà, j'y croyais de A à Z, que c'était dur, c'était long, donc c'est ce que j'aimais aussi, quoi. Derrière, il y a eu forcément le Tour de France, donc que tu as fait une 12e place tout de même au classement général, et puis surtout meilleur jeune du Tour tout au long de ce Tour de France femme avec Zwift, avec ce joli maillot blanc qu'on voit ici à l'image. Là aussi, ça doit être une consécration pour toi, Cédrine. Ben c'est vrai que voilà, je l'avais un petit peu en tête avant de débuter le Tour de France, ce maillot blanc, mais c'était plus voilà, un objectif. Bon, je dirais pas lointain, mais c'était un peu ouais, le rêve de pouvoir faire ça. Et puis voilà, j'avais jamais réalisé une course aussi longue et aussi dure que le Tour de France. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je sentais qu'au fur et à mesure des jours, je montais en puissance, je me sentais de mieux en mieux. Bon, jusqu'au moment où je tombe, la veille du Tourmalet, là, je me suis fait une frayeur quand même. Je pensais m'être cassé le coccyx. Et au final, tout allait bien. Et voilà, j'ai pu reprendre la course normalement. Et ce Tourmalet, c'était une première pour toi ou tu l'avais déjà repéré, tu l'avais déjà monté? Non, j'avais passé plusieurs mois déjà à Sainte-Marie-de-Campan. Chez des amis qui ont un gîte là-bas. Je l'ai fait ouais, des dizaines, voire des vingtaines de fois le Tourmalet. Je le connaissais. Donc tu connaissais, ça va. Tu n'as pas été surpris par les pentes du Tourmalet. Et puis derrière le Tour de France, il y a aussi eu une belle fin de saison hein, pour toi, Cédrine. Notamment de retour sur ton vélo de chrono que tu apprécies tant, avec le titre de vice-championne du monde du relais mixte, c'était du côté de Glasgow sur les championnats du monde donc. Et puis aussi vice-championne du monde, toujours du côté de Glasgow, sur le chrono individuel espoir. Globalement, tu es heureuse de ces mondiaux, de ces championnats du monde, ou tu voulais ramener à tout prix un maillot arc-en-ciel, je pense notamment à ce titre individuel chez les Espoirs. Bon, c'est vrai que ouais, je l'avais en tête, ce titre chez les Espoirs. Mais voilà, je me suis fait battre par plus forte. C'était que de 7 secondes. Donc voilà, au début, j'avais un petit peu des regrets. Je me disais, ah, si j'avais fait ça de cette manière. Et puis au final, j'ai refait une course contre Antonia, du coup, qui était devant. Et elle m'a bien mis tarif. Donc là, je me suis. Tu parles des championnats d'Europe, non? Non, championnat d'Europe, non, plutôt Tour de l'Avenir. Championnat D'accord. d'Europe, j'étais pas dans une grande forme, on va dire. Et oui, la championne du monde U23, c'était donc Antonia dont tu parlais, Antonia Neder-Mayer. Il y a eu le championnat d'Europe, en revanche, du relais mixte, et là aussi, avec une jolie médaille d'argent. Tu es double vice-championne et du monde et d'Europe sur cette discipline particulière, une nouvelle discipline, une discipline jeune, hein, avec donc l'équipe de France qu'on voit ici à l'image, Bruno Armirail, Brian Cocard notamment, c'était Benjamin Thomas sur les championnats d'Europe, avec Rémi Cavagna aussi. C'est
C'est quelque chose que tu apprécies, le contre-la-montre individuel, certes, le relais aussi. Et ben franchement, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Ouais. J'avais commencé dès les rangs juniors. On avait eu l'opportunité de participer au premier championnat de France de l'avenir de contre-la-montre mixte par équipe qu'on avait remporté avec l'équipe de Bretagne. Et voilà, à partir de junior, je m'étais mise en tête de les faire chez les élites aussi. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'un point de vue collectif, d'un point de vue aussi de la mixité. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de courir avec des garçons comme ça, et c'est vraiment une belle opportunité de le faire. Question dans le chat de Bistro Vélo de Forza Ferrari. Est-ce que ta victoire en solitaire sur la deuxième étape du Tour de Normandie t'a permis de passer un cap, prendre confiance pour les France et pour le Tour de France? Ben, je pense que ouais, mentalement, de pouvoir gagner chez les pros dès le début de saison, ça aide vraiment mentalement. Ça nous conforte dans ce qu'on est capable de faire. Et oui, franchement, je pense que ça a été vraiment un palier pour moi. Il fallait que je le franchisse. Je l'ai franchi et ça m'a beaucoup aidé. Question également de McFly, hein, qui suit de très près toutes les courses et l'actualité du cyclisme féminin, que tu dois souvent voir d'ailleurs sur le bord de la route, grimé de blanc, de bleu et de rouge, qui nous dit: Fun fact, j'étais là pour toutes les victoires, pour toutes tes victoires cette année, Cédrine. Et question qu'il pose: il faut que je sois sur quelle course l'an prochain? En gros, quelle course tu veux gagner pour... Parce que visiblement, il te porte chance, Bon bah déjà merci du coup McFly. McFly. Et ben tu peux venir sur toutes les courses, ce serait vraiment cool. Toutes, comme ça. Comme ça bon, on est sûr. Non Bon. mais c'est vrai que le Tour de France, Liège-Bastogne-Liège et l'Estrade aussi. L'Estrade, c'est une course que tu apprécies aussi. Oui, j'y ai participé pour la première fois l'an dernier. Voilà, j'étais dans un rôle de coéquipière à 200%, mais j'ai vraiment adoré et je pense que c'est une course qui pourrait plutôt me fournir. Tu y reviendras, j'imagine, avec des ambitions en 2024 sur les Strade Bianche. Ouais. C'est noté. Question de Roxane, notre reine de la pédale, qui a connu quelques ennuis de santé malheureusement dans cette saison 2023 et qu'on va retrouver sur les routes en 2024, évidemment. Et on continuera avec elle de commenter pour notre plus grand plaisir, hein, les courses sur Eurosport, évidemment. Et Roxane a tenu à te poser une petite question. On l'écoute. Salut Cédrine, j'espère que tu vas bien, que tu profites un petit peu de cette période off pour décompresser de cette saison 2023. Et déjà, je voulais te féliciter dans un premier temps justement pour ta saison 2023. Tu t'es affirmée au niveau français, hein, tu es la révélation française de cette année et tu t'es également affirmée au niveau international. Donc c'est superbe et encore une fois, félicitations. Et sinon, j'avais deux petites questions pour toi. Déjà, je voulais savoir justement qu'est-ce que tu avais mis en place cette année pour passer ce cap physique et mental. Qu'est-ce qui t'a permis de hausser ton niveau à ce point-là? Et ma deuxième question, c'était justement bah, pour la saison 2024, vu que maintenant tu te sais capable de grandes choses sur la scène internationale, quels sont tes objectifs pour cette saison 2024 et surtout, est-ce que tu as les JO de Paris en tête l'année prochaine? Allez, profite bien de ta coupure et à l'année prochaine sur le vélo. Voilà pour les questions franches de Roxane Fournier. La réponse de Cédrine. Bon bah salut Roxane déjà. Alors pour répondre à tes questions, qu'est-ce qui a changé pour moi cette année? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout d'abord, bah, jusqu'à juin dernier, je faisais des études à Saint-Brieuc, donc en présentiel, donc tous les jours au moins ouais, 5-6 heures de cours minimum. Dans la diététique, hein. Diététique, ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai eu la chance d'avoir des bons profs et des bons emplois du temps. Mais c'est vrai que je pense que le fait d'avoir fini mes études, ça m'a vachement soulagée. Ensuite, voilà, j'ai beaucoup changé, on va dire, mon environnement global. J'ai changé de lieu d'entraînement. Je suis partie au Portugal déjà l'hiver dernier. J'ai changé d'équipe, j'ai changé d'entraîneur. C'est vrai que bah, tout ce nouveau, ça m'a
vraiment aidé à prendre un nouvel élan. Et puis, ouais, voilà. Beaucoup de renouveau, on va dire. Et puis la deuxième question de Roxane, c'était sur la saison prochaine, tes objectifs, avec également, mais les pieds dans le plat. Direct, Roxane, les JO, tu comptes les faire? Tu comptes être dans cette sélection de l'équipe de France de Paul Brousse? Bah, c'est vrai que ouais, je vais tout faire pour. L'objectif, c'est d'y aller, mais pas seulement d'y aller, ce serait aussi d'y performer. Donc, voilà, je vais tout donner, tout faire pour être à 100% encore l'an prochain. Et puis voilà, en plus des JO, donc si je ne me trompe pas, le Tour de France sera après les JO. Donc, le Tour sera aussi de nouveau l'objectif. Et comme j'ai pu le citer précédemment aussi, les classiques de début de saison. Dont l'Estrade Bianchi, ça on l'a bien noté. Tu le disais, Cédrine, nouvelle équipe, ça fait partie des changements en 2023. Première saison donc avec Ceratizit WNT. Comment elle s'est passée cette première année avec cette nouvelle équipe pour toi, cette équipe allemande? Ben, c'est vrai que voilà, ça a été une année vraiment géniale avec Ceratizit, ils m'ont fait confiance de A à Z et puis j'ai pu leur prouver aussi qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Ça a été très enrichissant parce que voilà, c'est vraiment parler différents langages au quotidien. C'est une autre manière, je dirais, de vivre en groupe que par rapport à un groupe français, par exemple. C'est très ouvert d'esprit et j'apprécie vraiment. Tu as signé un contrat de 3 ans hein, là-bas hein, avec Ceratizit, hein, c'est ça hein. C'est ça, 3 ans. Le questionnaire Bistro Vélo. À présent, des réponses courtes, des réponses courtes également, mais toujours sincères, bien sûr. La première question, quelle est ta meilleure pote dans le peloton, Cédrine? Célia Lemoine. Célia Lemoelle. Quelque chose me dit qu'on l'écoutera dans quelques instants, Célia. Coureuse au sein de la formation Saint-Michel Mavic-Aubert 93. Ton meilleur souvenir sur le vélo? Je dirais le podium du dernier jour du Tour de France à Pau. Avec le maillot blanc de meilleur jeune. Ton premier coup de pédale, est-ce que tu te souviens de ton premier coup de pédale? C'était à quel âge? C'était avec quel club? Avec qui? C'était sur quel vélo? Mes premiers coups de pédale, c'était, je pense, avec mon papa sur mon Traligator pour aller à l'école. Donc, je devais avoir 4-5 ans. Et l'école était à 800 mètres, donc c'était 2 fois par jour et c'était top. Et c'est là que tu as appris goût au cyclisme? Non, ça a été plus tard. Ça a été plus tard. Comment ça s'est passé, d'ailleurs? J'ai fait du triathlon pendant 1 ou 2 années. C'est vrai que j'étais techniquement très nulle en natation. La course à pied, j'aimais bien ça, mais je trouvais ça, je sais pas, moins intéressant. Et puis le vélo, c'est ce qui m'a vraiment pris. Et donc j'ai commencé par le VTT pour attaquer ensuite la route. Quel est ton idole de jeunesse? Est-ce que tu avais une idole quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, ado, un poster que tu avais dans ta chambre? Vélo ou pas vélo? Vélo ou pas vélo? Les deux, les deux. C'est une bonne question. Je crois que j'ai jamais eu vraiment d'idole. Pas d'idole. Non, Tu j'aime. peux. Non. Il y a le droit, c'est pas interdit, c'est pas interdit évidemment. On a fait le meilleur souvenir dans le vélo, le pire souvenir, t'en as un, Cédrine? Mon pire souvenir sur le vélo, je pense que c'est bien l'an dernier. En fait, c'était pas vraiment sur le vélo. C'était à côté du vélo, je me suis cassé la cheville. Et déjà, ce n'était pas une année terrible pour moi, mais voilà, ça m'a. Le Ouais. moral était là, pas dingue. Donc en dehors du vélo, c'était un accident de la vie Bah, courante finalement. ça a beaucoup empiété sur le vélo, disons. Ouais, forcément. Et la course que tu rêves de gagner, est-ce qu'il y a une course qui dépasse toutes les autres que tu aimerais mettre à ton palmarès? Je dirais le tour. Le Tour de France, c'est bien d'avoir de l'ambition. Et évidemment, on te le souhaite de remporter le Tour de France, comme l'a remporté Demi Vollering cette année.
On a une deuxième question de quelqu'un que tu connais bien. Églantine Rayer de la formation DSM qui a une question à te poser. On l'écoute. Salut CC, salut Bistro Vélo. Je suis contente de pouvoir te faire une vidéo en direct de ma voiture pour te rappeler à quel point je suis contente de t'avoir rencontré. C'est dingue je me dis encore que c'est dingue de rencontrer quelqu'un qui me ressemble autant, qui pense autant comme moi. Je trouve ça vraiment cool qu'on ait pu se rencontrer. J'avais deux petites questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu vends un vélo de chrono? Parce que même confinée, je suis capable de venir chez toi. Donc attention. Deuxième question, c'est comment tu vas et qu'est-ce que tu comptes faire de ta coupure? Gros bisous! Alors, avec Églantine, visiblement, il y a une histoire de vélo de chrono. Je crois que c'est grâce à ce vélo de chrono que vous êtes rencontrés finalement. Exactement. Durant le confinement, pendant la période du Covid, Églantine a fait le déplacement depuis la Normandie jusqu'au bout du Finistère pour aller chercher mon vélo de chrono Argon. Et ensuite, elle a été championne de France dessus. Et donc c'est ce qui vous a permis, vous êtes devenu proche après, grâce à ça, après ça? Ensuite, on n'était pas vraiment dans les mêmes catégories Ouais. d'âge à ce moment-là. Je pense que voilà, Églantine, je l'ai plus découverte sur les championnats d'Europe, donc très récemment. Comme elle le dit, je trouve que c'est assez drôle parce qu'on se ressemble sur pas mal Ouais. de points. moi aussi, je suis ravie de t'avoir rencontré, Églantine. Du coup, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce que je compte faire de ma coupure? Ça n'a pas été encore décidé. Je pense que ça va être un peu de l'improvisation, mais pourquoi pas Madère. D'accord. Madère, donc, pour Cédrine Carbol cet hiver. Tu vas faire d'autres choses aussi, parce que là, t'es pas encore en coupure, hein, si je ne dis pas de bêtises, Cédrine. Hein. Il y a encore une course pour toi. Hein. C'est ça, il y a le Chrono des Nations qui aura lieu du coup le 15 octobre. Donc ce dimanche. Voilà, exactement. Avec l'objectif, c'est de gagner, évidemment, ce contre-la-montre. Ouais, c'est sûr que l'objectif, c'est toujours de gagner. Après, voilà, depuis les championnats du monde, je sens qu'il y a de la fatigue qui a commencé à s'installer aussi. Voilà, on vient avec des objectifs, mais faut avoir les pieds sur terre quand même. Je ne suis pas dans la même forme qu'au début de saison. Forcément, la saison était longue et c'est vrai que tu as beaucoup couru, comme tu le disais en tout début d'émission. Le Bistro News, l'actualité du cyclisme qui ne s'arrête jamais, ou presque. Le Tour de Lombardie ce week-end, c'était samedi. Le dernier monument de la saison a donc été remporté par celui qui s'était déjà imposé sur les deux éditions précédentes, évidemment. Je parle de Tadej Pogacar dans une marée humaine qui était venue ici pour célébrer la dernière course de Thibaut Pinot. La victoire donc de Tadej Pogacar qui est le premier coureur à remporter trois fois consécutivement ce Tour de Lombardie. Il s'impose devant Andrea Bagioli et Primoz Roglic. Tu regardes un petit peu le cyclisme masculin aussi? Tu as le temps pour cela? Tu t'y intéresses ou toi c'est full cyclisme féminin? J'allais t'appeler Églantine. Pardon, Cédrine. Ouais, j'essaye de m'y intéresser de plus en plus parce que, bah, bien évidemment, c'est super important au niveau stratégie de regarder un peu de cyclisme chez les hommes parce que voilà, on va dire qu'on s'en rapproche de plus en plus aussi. Nos courses on va dire, se rapprochent de plus en plus de celles des hommes, mais bon, ce sera jamais identique. Et puis évidemment dans ce Tour de Lombardie, l'autre attraction c'était la dernière course de Thibaut Pinot donc qui a été très en vue sur ce Tour de Lombardie. On lui a rendu hommage, on l'a vu dès le départ, et beaucoup de coureurs sont venus faire une petite tape amicale, dont Remco Evenepoel, Julien Alaphilippe également. C'était un petit peu l'une des attractions Thibaut Pinot sur ce Tour de Lombardie qui attachait son dernier dossard et qui a terminé aux côtés de ses partenaires Rudy Mollard, Quentin Paché notamment. Oh, je trouve que c'est important. Allez, on va l'écouter quand même. Thibaut Pinot rempli d'émotion, évidemment, à l'issue de cette dernière course. On l'écoute, Thibaut Pinot.
Ouais, ça y est, c'est fini. Ouais, c'était un truc de fou. Je suis pas champion du monde, je suis loin d'être champion du monde, mais en tout cas, je pense que j'ai vraiment le meilleur public du monde. Et c'est. Non. Et ouais, non, c'était vraiment un truc de fou. Et ouais, c'était magnifique à vivre. Ma course, je le savais, ça allait être une journée compliquée. Elle a été compliquée, je me suis battu parce qu'il fallait que je finisse. Et voilà, j'y reste 50 mecs, je suis là, je pense que c'est mon niveau actuel. Et, mais finir avec Rudy, avec Quentin, pour moi, c'est un beau symbole. Et voilà, c'est ce que je retiens aujourd'hui. On avait aussi beaucoup de coureurs qui vont venir vous féliciter sur cette fin de carrière, en début de course notamment. Ouais, il y a beaucoup de coureurs qui m'ont félicité. C'est vrai que ça me surprend toujours parce que c'est vrai que je suis assez. Je suis dans le peloton, je suis un peu dans le même que dans la vie. Je suis assez timide et assez sauvage. Donc c'est dommage que j'ai pas assez de tisser de liens avec beaucoup de coureurs parce que je pense qu'il y a des mecs qui en veulent le coup. Ouais. Thibaut Pinot, un monument du cyclisme français qui prend sa retraite après avoir fait le dernier monument de la saison. Qu'est-ce qu'il t'inspire, toi, Thibaut Pinot, Cédrine? C'est vrai que j'aime beaucoup Thibaut Pinot dans sa façon de voir la vie, je dirais. Je ne le connais pas personnellement, mais ouais, ce qui dégage de par les réseaux sociaux, c'est vraiment d'être quelqu'un de très humain et proche de la nature. Donc, non, il a l'air cool. Il y avait également Paris-Tours, l'autre classique des feuilles mortes. Ça, c'était ce dimanche. On peut le dire, hein. C'est une énorme surprise sur l'avenue de Gramont avec la victoire de Riley Sheehan pour la formation Israël Premier Tech. Surprise pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un coureur stagiaire qui s'est imposé devant Lewis Askey et devant Tobias Johannessen. Belle surprise également hein, du côté de la formation Saint-Michel Mavicobert 93 avec la magnifique quatrième place de Joris Delbove. Olivier Legac termine cinquième, Christophe Laporte est sixième. Et puis ce dimanche, il y avait aussi du gravel. On parlait des Strade Bianche, le gravel s'y rapproche avec chez les hommes la victoire qui est revenue à Matej Moric, le Slovène, donc qui s'impose avec 43 secondes d'avance sur Florian Vermersch, le Belge. La troisième place est revenue à Connor Swift devant l'infatigable Alejandro Valverde, quatrième, qui termine à un petit peu moins de 7 minutes du Slovène. Et chez les dames, victoire de Katia Niewiadoma pour la Pologne. La coureuse de la formation Canyon SRAM Racing donc, elle devient championne du monde pour cette deuxième édition des championnats du monde de gravel. Il y avait du beau monde hein, aussi chez les dames, avec Sylvia Persico qui prend la deuxième place. Demi Vollering, troisième. Yara Kastelein, quatrième. Lorena Vibus termine cinquième de ces championnats du monde de gravel. Tu aimes le gravel? Je crois que tu avais d'ailleurs prévu de faire ces championnats du monde. Ça te branche bien, ça, ce gravel? Ouais, bah c'est vrai que le gravel, moi, c'est d'abord l'esprit que ouais. J'aime beaucoup. C'est plus ouais, à la cool. Voilà, là, c'est fin de saison. Pas de prise de tête. Voilà, vraiment pour le plaisir. J'étais censée y aller, mais voilà, y a eu un petit problème logistique. Mais j'aurais dû être en Italie à l'heure qu'il est. Ça aussi pour la saison prochaine, tu aimerais y être? Oui, j'aimerais beaucoup y être, mais ça va vraiment ouais, dépendre du calendrier. Ouais, c'est pas prioritaire. Non, exactement. Voilà, ça sera si l'opportunité. Et puis dans le dernier bistro vélo de l'année, on va se faire une dernière fois le mondomètre, le françomètre. On commence avec le mondomètre, c'est le top 10. Donc, avec les équipes qui se sont le plus imposées cette saison, avec la Jumbo-Visma, hein, qui devrait être l'équipe qui va repartir avec le plus de victoires, 65 victoires cette saison devant Soudal Quick-Step, 55 victoires. Le team Emirates de Tadej Pogacar met une victoire de plus aujourd'hui, donc avec 54 victoires. Et puis du côté du Françomètre, eh bien c'est Groupama FDJ qui devrait remporter la victoire du Françomètre du Bistro Vélo, évidemment avec 19 victoires, 14 pour Cofidis, 10 pour le team Arkea Samsic. Et puis le Mondomètre du côté des filles avec évidemment le team SD Works hein, qui s'impose et assez largement. 61 victoires pour le team SD Works, 41 victoires de plus que la deuxième équipe Movistar avec 20 victoires cette saison. Et pareil, c'est le team Emirates qui est troisième chez les dames avec la belle 9e place pour Ceratizit WNT
qui a 9 victoires cette saison. Que penses-tu de la formation SD-Works, Cédrine, qui est impressionnante du début à la fin de la saison? 61 victoires, c'est assez impressionnant. C'est une véritable dream team. Ouais, c'est vrai qu'elles sont monstrueuses et puis ça tourne. C'est pas toujours la même qui gagne. Bon, Vollering en a gagné pas mal cette année, mais il y a eu Kopecky aussi qui a été impressionnante. C'est vrai que elles ont des filles qui sont fortes dans tous les domaines, donc ouais, elles sont énormes. Puis Lorena Vibus, hein, qui a ramené pas mal de bouquets à la maison également. On a une troisième et dernière question d'une des coureuses du peloton français. Peut-être ta meilleure pote d'ailleurs, tu nous le disais dans le peloton, c'est Célia Lemouel, la coureuse de la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93 qu'on écoute. Coucou Cécile, j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est bientôt la fin de saison. Tu vas pouvoir récupérer de cette saison qui était juste énorme pour toi. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Qui dit fin de saison dit aussi coupure. Si tu devais choisir ta coupure idéale, ça serait quoi? Tu avais le choix entre passer tes journées à surfer sur la côte portugaise ou alors prendre ton van, aller à gauche, à droite, découvrir de nouvelles villes, de nouveaux pays, etc. Ou bien aller en haut des montagnes, dans les Pyrénées, être entouré de chèvres et de brebis pour manger du fromage toute la journée. Allez, je te laisse choisir, je sais que ça va pas être évident. Et on se dit à plus, bisous. Un choix cornélien. Les propositions sont alléchantes. C'est sûr, mais Célia, je pense que qu'on peut faire un mix des trois. Je pense qu'on peut prendre le van avec les surfs dans le van, en emmenant le fromage, et aller surfer l'après-midi et dormir en haut de la montagne le soir. Pourquoi Pas pas? mal, pas mal. Tu sais surfer d'ailleurs? Ouais, j'ai acheté une nouvelle board là. Et puis ici, on n'est pas loin de Nazaré. Ouais. C'est les gros spots de surf qui sont dans le coin. Et d'ailleurs, Célia est censée venir me rejoindre pour la fin de la coupure ici, pour aller faire du surf. Du surf, d'accord. Et t'es plus à l'aise sur une planche de surf ou sur un vélo de chrono? Ouais, quand même le vélo de chrono. Un petit peu plus d'entraînement quand même. Mais j'ai commencé le surf avant de commencer le vélo. T'as commencé le surf avant de commencer le vélo, d'accord. Oui, évidemment. Faudrait qu'on rajoute des prolongateurs sur les surfs avec le casque de chrono, ça serait pas mal. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des paddles qui commençaient à mettre des vélos sur les paddles et on pédale pour avancer sur le paddle. Une discipline où tu serais, je pense, très forte, Cédrine, vu tes capacités de rouleuse. On parlait de ta fin de saison, donc avec le chrono des nations ce dimanche. Derrière, coupure tout de suite. Tu mets le vélo de côté et tu débranches un petit peu. Oui. Là, ça fait, je ne sais pas combien de mois que je n'ai pas vraiment débranché. Donc, oui, là, le vélo, il va aller au garage. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps tu vas couper, si ça va être une semaine, si ça va être 2 semaines, si ça va être un mois, un mois et demi, 2 mois? Du coup, ce sera normalement 3 semaines sans vélo. Puis ensuite, ce sera reprise tranquille sur le gravel avant de reprendre les choses sérieuses. Du VTT, tu parles de gravel, est-ce qu'il y a du VTT, du cyclocross, de la natation, de la course à pied que tu prévois de faire ou pas du tout? Du coup, ce sera ouais, plutôt gravel, Ouais. surf, boxe. Boxe aussi. Ouais. Est-ce que tu penses déjà à 2024? Est-ce que tu en as déjà parlé avec ton équipe, notamment du calendrier, peut-être aussi des objectifs que tu t'es déjà fixés pour 2024 ou pas encore? Non, on n'a pas eu encore de meeting avec l'équipe, mais ça ne saurait tarder. Je pense que ouais, d'ici un mois, j'aurai plus d'idées sur comment c'était pour la saison 2024. Autre question sur le chat. Quel monument rêves-tu de faire? On parlait du Tour de Lombardie il y a quelques instants. Tu peux répondre Milan-San Remo ou le Lombardie, même s'ils ne sont pas encore dans le calendrier féminin. Je dirais Milan-San Remo. Milan-San Remo, la première de la saison. Milan-San Remo, donc, est la plus longue également. Les courses d'un jour, c'est vrai que
Bah, si je ne dis pas de bêtises, tu n'en as pas beaucoup fait cette saison. On t'a vu briller notamment sur les courses par étapes. On t'a vu en début de saison faire quelques courses d'un jour sur des belles classiques notamment. On parlait des Strade Bianche. On parlait également des quelques classiques belges, dont Liège-Bastogne-Liège, dont l'Amstel Gold Race, où tu as fait quelques belles places. C'est quelque chose que tu aimerais faire davantage peut-être, ou tu es plus course par étapes que les courses d'un jour? Je pense que je suis plus course à étapes, Ouais. mais comme on en a parlé précédemment, voilà, il y a des courses qui me tiennent vraiment à cœur, l'Estrade, Liège, bon, Paris-Roubaix, c'est plus trop d'actualité. J'en rêvais avant de le faire. J'étais contente d'y être quand je le faisais, enfin après la course, hein, pas pendant. Mais maintenant, je crois que ça va être un petit break avec Paris-Roubaix. Ouais. Tu veux faire une petite pause sur Paris-Roubaix? Pourquoi? C'est... C'est vrai que maintenant, je préfère les courses qui montent davantage que les courses plates et à pavé. Et ouais, je crois que je l'ai fait deux fois et je suis un petit peu vaccinée pendant une de ces années encore. Pas forcé des fois, c'est le destin. Et puis on fait une petite pause et puis tu y reviendras peut-être pour y briller, on te le souhaite. On parlait des Jeux Olympiques avec cette volonté pour toi de faire partie de la sélection, évidemment, de participer à ces Jeux dans ton pays. Tu as déjà vu le parcours, 32 km, départ du pied de la Tour Eiffel, on va faire un tour dans le bois de Vincennes et puis on revient. Est-ce que tu as déjà repéré ce chrono de 32 km? Je ne l'ai pas encore repéré. Voilà, j'étais censée aller avec l'équipe de France faire un repérage il y a quelques semaines, mais voilà, il y a eu un petit problème aussi logistique qui a fait que je n'ai pas pu m'y rendre. Mais normalement, cet hiver, j'irai faire des recos. Les recos donc sur ce parcours ici à Paris. Bah, tu passes à Eurosport, hein, évidemment, tu es la bienvenue avec grand plaisir. Tu passes nous faire un petit coucou. Le programme de la semaine sur les antennes d'Eurosport avec le tour de Turquie à partir d'aujourd'hui, donc avec également le tour de Vénétie ce mercredi. Il y aura le tour de Chongming. L'avant-dernière course World Tour du calendrier féminin. Vendredi, la présentation du Giro avec le tour de Guangxi, la dernière course World Tour de la saison masculine. Et puis dimanche, la Veneto Classique. Encore une belle semaine de vélo. Profitez-en. Après, ça sera le cyclocross. Évidemment, avec Steve Chenel, avec Jérémy Sahakian, notamment avec Théo Barbaï-Duquil aussi. Merci beaucoup, Cédrine, d'être venue dans le bistrot vélo. On te souhaite le meilleur pour cet hiver, pour 2024 également. C'était un plaisir d'être avec toi pendant un peu plus de 30 minutes. Merci encore. Merci à toutes les coureuses, Roxane, Célia et Églantine, de nous avoir posé ces questions. Merci à Sébastien, à la réalisation, à Marco, pardon, aux infographies, puis à Guillaume Di Grazia, qui a notamment participé à l'élaboration de ce conducteur. Merci à toutes et à tous. Et puis on se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux bistrots vélo. Salut!